Welcome to the first edition of Africa Smart City Forum here in Bangui, organized by the UM6P and coordinated by the School of Architecture, Planning and Design under the theme Vector of Sustainable, Cultural and Territorial Development. This forum provides a platform for sharing urban solutions for African contexts. It encourages collaborations between researchers, urban planners, and entrepreneurs. Additionally, this one-of-a-kind forum aims to enhance urban life and promote sustainable and resilient development across African territories. So, join us from Wednesday, April 17th to Friday, April 19th at UM6P in Bangui for an insightful experience. To discover the full program, click on the link below. Welcome to the first edition of Africa Smart City Forum here in Bangui, organized. Alhamdulillah, wa salatu wa salami ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أيها السيدات والسادة الحضور الكريم سلاما وتحية وأهلا وسهلا Mesdames les ministres Monsieur le secrétaire général Monsieur le gouverneur Monsieur le président de l'université Mohamed VI Polytechnique Ben Gurion Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires et commis d'État, Mesdames, Messieurs les professeurs et doctorants, Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les étudiants, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en votre nom, statut et fonction, honorable assistance. Bienvenue à toutes et à tous dans cette enceinte porteuse de sens, l'auditorium de l'Université Mohamed VI Polytechnique Ben Gurion. Africa Smart City Forum Ben Gurion répond à des objectifs bien définis et savamment dosés académiquement parlant. Sachant que la transition urbaine en Afrique est appelée à être un catalyseur majeur de l'innovation sociale, de la protection de l'environnement, du patrimoine urbain et de la résilience culturelle, le tout en se basant sur le génie local et le savoir technologique. Honorable assistance, deux jours durant, des intervenants, à peu près 70, connus et reconnus, présenteront leurs idées lors des 5 plénières programmées et débattront lors des 8 workshops le contenu et le contenant de l'importance de la Smart City, vecteur de développement territorial durable. Et nous avons également le plaisir d'avoir un espace dédié en exposition. Vous me l'accorderez, honorable audience, des sujets divers, complémentaires, seront abordés par des experts afin de prospecter les mécanismes intelligents de planification et de gestion territoriale. On parlera pour mieux cerner la question et la problématique posée de planification urbaine, de gouvernance territoriale, de résilience humaine, d'innovation digitale et géospatiale, de performance intelligente, de modélisation numérique et de mobilité et de construction durable, mais également de la ville smart comme étant un vecteur de création de richesses. Tout à fait. Et pour mener à bien ce riche programme, un comité exécutif, un comité d'orientation,
un comité consultatif international et un comité scientifique composé de personnalités nationales et internationales ont veillé au grain, car conscients des enjeux émergents qui nous attendent pour le proche avenir à court, moyen et long terme. L'université Mohamed VI Polytechnique Ben Gurion et la province de Rahamna souhaitent véritablement faire de ce forum un rendez-vous biennal et une plateforme d'échange, tout en liant l'innovation des citoyens, des chercheurs, des entrepreneurs et tout autre acteur du secteur public et privé. Je laisserai tout à l'heure le soin à une des chevilles ouvrières de ce forum, c'est Hassan Redouane, de rentrer dans le détail de ce cadrage scientifique. Cette cérémonie d'ouverture placée sous le signe du partage et de l'échange, mais également de l'excellence, verra la participation de personnes qui ont leur poids et pour ouvrir officiellement l'Africa Smart City Forum Ben Gurion, sous vos applaudissements, le président de l'Université Mohamed VI Polytechnique Ben Gurion, Forum Chair Africa Smart City, l'Oustad Hicham Habdi. Good afternoon. This is new for me. Normally, the conferences start in the morning. This is the first time we have we have the launching ceremony in the afternoon. So this is a new way of organizing scientific conferences here at UMCXP. Governor, excellencies, ladies and gentlemen. Once again, good afternoon. I'm really delighted to welcome you all, esteemed guests, speakers, and participants to the first Africa Smart City Forum 2024, a prestigious event organized by the School of Architecture, Planning and Design of the University of Mohammed VI Polytechnique. We are gathered today here, not just as individuals or representatives of distinct organizations, but as visionaries and experts united for a common goal. This goal is to identify the future of our cities and make them smarter, much more sustainable, and even more inclusive. In Africa, we find ourselves confronted with the reality of urban growth, surpassing the global optimal rate seen anywhere else on Earth. Indeed, this boom in urbanization resulted from the continuous pressures to develop the continent without counting the costs or taking careful measures to establish a much more inclusive, sustainable, and resilient territorial transitions. Consequently, we find that many African cities are featured by underperformance across critical sectors, which hinders their potential for social transformation that would shift the urban and territorial paradigm of the continent to generate socio-economic, cultural, environmental, and technological developments for African nations. The time has come for African cities to transcend these constraints of conventional urbanism and to embrace the principles of a smarter urbanism. This entails harnessing both low and high technology to tailor solutions that address distinct urban challenges and opportunities. For instance, to transform the rich and diverse African territories and landscapes instantly. Dear distinguished speakers, participants, and guests, the theme of this inaugural edition of the Africa Smart City Forum, Smart City, Vector of Sustainable Cultural and Territorial Development, which echoes that our responsibility is not only limited to examining intelligent strategies for territorial planning and management, but also
to offer insights into cultural and territorial developments. That is, the smartness of the city defines how reach resilience and sustainability through smart devices. As we emphasize local ingenuity, community culture encourage, technological advancement, and learning from successful cases across the continent, the smartness of technology is not an end per se, but rather an enabler for deeper understandings of the African urban and territorial complexities. With the main compass established here in Bengrea City, UM6P's decision makers are conscious that focusing on knowledge, human capital, societal and cultural values, innovation and research will definitely lead to a new urban model. Thanks to its Green City project, it will transform and generate a grassroots smart city that is a catalyst for resilient and sustainable territorial development of the whole Arhamna region. Throughout this forum, scholars, practitioners, and thought leaders will converge to exchange insights, share best practices, and forge collaborative pathways towards a smarter, brighter future of our urban development, be they in Africa or abroad. In addition, to shed light on UM6P's efforts and contribution to this critical development for a more sustainable and resilient African territories aligning with the SDG 11, I'm pleased to introduce and officially launch the International Center for Territorial Innovation and Smart Urban Performance. This innovative project is the result of the joint collaborative work of UN Habitat and UM6P through its School of Architecture, Planning and Design, along with a group of committed international experts and partners. The establishment of this center aims to tackle a multitude of emerging urban and territorial challenges in Africa through regional and transnational perspectives. Our goal is to leverage multidisciplinary research, policy analysis, advocacy, and capacity development to enhance territorial innovation for an effective urban performance. Also, we seek to set Africa as a dynamic living lab for establishing territorial and urban indicators to measure how urbanization serves sustainable development. As we embark on this transformative journey together, I extend my deepest gratitude to each of you for your unwavering commitment to advancing the cause of sustainable urbanization in Africa. Together, let us seize this great opportunity to chart a course towards a more prosperous and equitable urban and territorial future for all. Once again, welcome to the Africa Smart City Forum 2024. I want to extend my gratitude to our students who worked really very hard to make this first edition a success. So thank you so much, dear students, and let's make it a memorable opportunity. Thank you so much. Honorable assistance, une intervention porteuse par un événement prestigieux conjointement organisé par l'UMCP et l'École d'architecture, une vision à moyen terme et long terme pour identifier le futur des villes, pour les rendre plus intelligentes, inclusives et durables. Il faudra plus de développement technologique pour les villes africaines, plus de high-tech pour saisir les opportunités, une responsabilité managériale en toute intelligence collective afin qu'on puisse comprendre le paysage urbain, plus de savoir, plus d'innovation et de recherche. Monsieur le Président a parlé également du lancement du Centre international. Il a fini son intervention en remerciant tout un chacun. Ne dit-on pas que ce que nous mettons en commun fait la force de chacun. Ladies and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vos applaudissements pour Monsieur le Président. Nous restons toujours dans cette dynamique de la cérémonie d'ouverture et nous avons le plaisir, l'honneur et le privilège d'avoir une grande militante
une citoyenne engagée qui aurait souhaité être avec nous, mais elle est avec nous en live. Je nomme Madame la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, professeure Awatef Hayar. Bonjour Madame la ministre. Nous sommes très heureux de vous accueillir, Madame la ministre, et nous allons essayer, pour le son, de faire le nécessaire de petites secondes. Il faut qu'elle appuie quelque chose sur son... Voilà. Madame la ministre, vous appuyez pour qu'on puisse vous entendre et le plaisir de vous accueillir parmi nous. Non, toujours pas. Choufna عندك les Qadisi. C'est elle qui gère. Superbe. C'est Khalil qui est avec nous pour lui dire, on ne vous entend pas, Madame la ministre. Ça va venir. C'est ce qu'on appelle l'excitation managériale. Il faut attendre et on va faire le nécessaire avec Madame la ministre qui nous fait l'honneur et le privilège d'être avec nous en live. Ah. Non, toujours rien, Madame la ministre. Est-ce que vous nous entendez, Madame la ministre? Oui, elle nous entend, mais nous, on ne l'entend pas. Non. Langue, voix, paramètres, on va trouver la formule. Tout y est, il y a qu'à Mérima. Ah. La technologie est une belle invention. Peut-être qu'elle a besoin que vous l'applaudissez, peut-être. Je ne sais pas. Hein. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ah, voyez, je vous l'avais dit, c'était des applaudissements. Très bien. Donc, on va l'applaudir encore plus fort pour qu'elle puisse parler. Merci beaucoup. Merci du direct et du live. C'est vous m'entendez maintenant? Marhaba, marhaba, Madame la ministre. Je vous disais, c'est un grand jour pour nous de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis passée par notre canal. Il y a un écho, je crois. Il faut peut-être éteindre l'autre canal pour qu'on... Ah. Oui, je suis en train de quitter. S'il vous plaît. Donc, vous m'entendez maintenant? Super. Je ne sais pas si vous me voyez, oui, mais... Oui, on vous entend très bien, Madame Hayar. On voudrait vous voir. Et vous me voyez parce que je ne vois pas l'image ici. On voit HM, c'est sympathique comme sigle. Ok, c'est... Merci beaucoup. Excusez-moi un peu d'humour, mais c'était l'occasion pour en faire un petit peu, dans cette ambiance conviviale, chaude. À vous, Madame la ministre. Voilà, ça devrait aller maintenant. La ilaha illallah. N'soukla Allah. Ça devrait aller. Donc ça devrait aller cette fois-ci. Merci beaucoup, madame. Voilà, parfait, avec grand plaisir. Donc, d'abord, Monsieur le Président of the University, Mohamed Six Polytechnics, Monsieur le Governor of Arhamna, Monsieur le Representative of the Minister of National Planning, Urbanism, Housing, City Policy, Excellencies, Ambassadors, dear friend Professor Hassan Radwan, Head of the Organizing Committee, ladies and gentlemen, good afternoon. First of all, I would like, allow me to express my joy and pride in participating in the official opening ceremony of the first edition of the Africa Smart City Forum, which addresses the theme of Smart City, a vector of sustainable territorial developments, even online with the, from Bucharest, where I'm here also in a topic connected to Smart City, because I'm given presenting the vision of Morocco on how it's really using digitalization to promote family services and women empowerment. So I would like also to sincerely thank the organizers of this event, as well as the scientific committee of the conference for their considerable effort in developing a rich and diverse program. This conference provides a unique platform for sharing different global experiences of smart cities while discussing the challenges faced
particularly those related to climate and environmental changes. I'm very happy to join today for many reasons. First of all, I'm with my friends that we work together from the university, my president of University Mohammed VI Polytechnic, Mr. the Governor, Ms. Professor Hassan Erdogan, and the OCP group. We worked together 6 years ago to start this project of Smart City Ben Gurion. And I'm very happy today to see that we are a step beyond with this international Smart Africa, Smart City Africa Forum. Congratulations for these great achievements. I would like also to thank my friend and colleague, Minister Fatem Zahra Al-Mansouri, for supporting the extension of Smart City approach to more cities in Morocco. We are discussing together to extend this approach. We are now very happy to see that there are many experiences of Smart City in Morocco, and we are fully committed to work together to extend this approach, as I said, with the support of the Minister Mansouri. Many thanks to her. Ladies and gentlemen, Morocco, under the leadership of His Majesty King Mohammed VI, may God assist him, places a great priority on social domain. The royal guidance given during the 21st century anniversary of the throne day in 2020 testify to these commitments to social protection for all Moroccans. The Moroccan government promptly responded to implement the royal guidance, respecting the timeline announced by His Majesty. This was possible thanks to many efforts from the government, and also thanks to adopting digital-based approach, especially using the social unified register, which allow to vulnerable families to register online to benefit from direct social aid. And this was done in a very, very short time, as you know, from December 23 to end of January 24, more than 2.5 million families in Morocco benefit from the direct social aid, and almost about 10 million individuals benefiting from this aid. In this context, the Ministry of Solidarity, Social Integration and Family has developed, in collaboration with all the regions of Morocco, an innovative strategy placing digital technology at the heart of social development for sustainable development and people empowerment, in general, women, men, empowerment of people using digital approach and digital tools. This is the coined GISR, Green Inclusive Smart Social Regeneration Strategy, aims to create, like Arabic name says, bridge, GISR, aims to create a bridge to a better future, particularly for vulnerable populations. One of the essential dimensions of this GISR strategy is the inclusion of women in the technological field. We are fully aware of the immense potential that women hold for innovation. That's why we are committed to creating an environment conducive to their professional development by eliminating barriers that could slow their progress. Specific programs such as GISR Temkin Wariada, Empowerment and Leadership, has been launched to encourage and support women in a difficult situation and empower them through digital tools. Additionally, online learning platforms have been established to allow women to enroll from anywhere, from rural area, from mountains, from everywhere in Morocco. And these initiatives has resulted in over than 84,000 enrollment, enabling large-scale training with reduced costs and personalized learning. Similarly, the GISR strategy aims to ensure the inclusion of all individuals, regardless of their social background, financial situation, or physical abilities. We firmly believe that every Moroccan citizen
deserves equal opportunities for development and fulfillment. That's why we have established the single social smart integrated desk, enabling access to social services online and allowing interconnection of social centers hubs to improve the quality of life for thousands of citizens, especially the most vulnerable people and persons with disabilities. Also, I would like to mention that we launched with the governor of Ben Gurion and University Mohammed VI Polytechnics and OCP Foundation a very innovative experience and pilot, which is in the heart of the Smart City Ben Gurion projects, and it concerns connection between talents from university students and also young people from the city of Ben Gurion to establish an emulation, innovation, and learning platforms where these young people connect to each other and share soft and professional skills and also civic and human skills. The results achieved so far are encouraging. And this experience, I would like to mention that this is between University Mohammed VI Polytechnics students and the students' clubs, and also Dar Talib in province of Ben Gurion. So this is, we are very interested to see the results of this connection physically and in virtual platforms between all these young people. Regarding the strategy of the ministry and the programs that we have developed, provided very interesting results. So far are very encouraging. The number of beneficiaries of the social pole, which is the Ministry of Social Solidarity, Social Integration and Family, but also our components that are belong to the Ministry, Entraide Nationale, ADS, Agence de Développement Social, and the Institute of Social Action, in National Institute of Social Action in Tangiers. So we have succeeded to double the number of beneficiaries from social services from 500,000 beneficiaries in end of 2001 to more than 1 million, exactly 1,200,000 beneficiaries in 2023. And this was a big achievement thanks to using digital platforms and using this the strategy based on digital transformation, digital tools, and as I said, digital platforms. So I don't want to be long. So in conclusions, I would like to thank once again the organizers, all my friends in Ben Gurion, of this conference and for creating this smart city platform where we can share our experiences and perspectives. Smart cities are the engine of this transformation, and our ministry is fully committed to this to collaborate and to progress and develop more projects together. Through the digital strategy and our collaboration with territories, we seek to harness the opportunities offered by digital technology and artificial intelligence to strengthen social services, improve the quality of life for millions of citizens, and promote sustainable metropolitan transition in a very inclusive manner and promoting equal chance and equal opportunities for all. I'm convinced that this conference will be a unique opportunity to exchange ideas, learn from each other, for strong partnership to accelerate the transformation towards smart and sustainable inclusive cities. And as Minister of Solidarity, Social Integration and Family, I'm, as I said, committed with all the departments to supporting these initiatives and promoting inclusive policies that ensure no one is left behind in this transition, of course, in collaboration with my colleague, as I said, the Minister Fatim Zahra Mansouri, with the governor, with the president of the university, with my colleague and friend, Professor Hassan Rdwan, with all of you. Thank you so much for listening to this talk, and I wish you a very successful event. Thank you. Merci beaucoup, Madame la Ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Professeur Awatef Hayar.
Merci de nous consacrer de votre temps de Bucarest, des efforts consentis, un programme riche, des rencontres conviviales avec les organisateurs, avec Madame Fatem Zahra Mansouri, notre ministre de l'Habitat. Vous avez accordé un élément tout à fait important à l'aide sociale par le truchement de la haute autorité de notre royaume, Sa Majesté, que Dieu le glorifie, par la création de l'approche numérique grâce à un registre unifié pour les populations vulnérables et une notation tout spécifique pour les femmes, une inclusion de tous les citoyens, quelle que soit leur situation sociale, des séances en ligne. Vous avez mis en exergue véritablement cette expérience que vous vivez avec l'UMCP, avec Dar Talib et Dar Taliba de Ben Gurion, et vous avez noté également que la stratégie actuelle menée par votre ministère enregistre, alhamdoulilah, des résultats intéressants et encourageants, arrivant jusqu'à 1 200 000 de bénéficiaires, sauf erreur ou omission de ma part. Madame la ministre, tabarakallah alik, excellent séjour, fructueux, défendez le Maroc comme vous le faites toujours, wa ash el malik. Merci beaucoup. Assalamu alaikum, au revoir. Ma'a madame la ministre. Nous remercions Madame la Ministre du temps consacré, ce qui donne également un aspect tout à fait particulier, spécifique à notre événement prestigieux, pour reprendre la terminologie utilisée par notre président. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables assistantes, Madame la Ministre de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme et de l'Habitat et de la Politique de la Ville, représentée par son secrétaire général, Al-Oustad Youssef حسني ليتفضل مشكور السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سير غوفرنور Monsieur le Président, je ne sais pas, est-ce que Madame la Ministre est toujours avec nous ou pas ? Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Madame, Messieurs les ambassadeurs, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, tout d'abord je tiens à vous transmettre les salutations de Madame Fatema Zahra Mansouri, ministre d'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville. C'est pour moi un grand plaisir et un réel intérêt que je participe au sein de cette université qui m'est très chère, dont on est fiers, nous, Marocains, de l'avoir, et je dirais même nous, Africains, d'avoir cette université. Je tiens à remercier toujours M. le Président pour tous les efforts qu'il déploie pour le rayonnement de cette prestigieuse université. Donc, comme j'ai dit, c'est avec un grand plaisir que je participe à ce forum, Africa Smart City Forum 2024, sur le thème Smart City, vecteur de développement territorial durable, qui promet d'être, inchallah, un incubateur d'idées visionnaires pour nos cités africaines. Je saisis cette occasion pour présenter mes remerciements à toutes les personnes qui ont participé à son organisation. Mesdames et messieurs, nous sommes rassemblés ici à un moment charnière où les méga-tendances de l'urbanisation façonnent l'avenir de nos sociétés. Ces méga-tendances sont caractérisées par l'émergence d'une nouvelle configuration de la trame urbaine avec de nouveaux corridors de développement euro-méditerranéen, transafricain et transmaghrébin et de nouvelles strates urbaines, notamment les métropoles et leurs zones d'influence fonctionnelles. Cette transition urbaine aux multiples facettes nous interpelle quant à la vulnérabilité des territoires face aux différentes crises et aléas. Les villes marocaines, à l'instar des autres cités du continent, font face à des défis pressants. Des menaces climatiques aux risques naturels, en passant par des urgences sanitaires et des vulnérabilités économiques, l'adoption de politiques urbaines inclusives, le développement de smart cities et la mise en œuvre de pratiques de gouvernance durable s'imposent comme des impératifs pour surmonter ces défis. Les enjeux sont énormes. Et le Maroc, conscient de l'importance de ce tournant historique, s'est résolument engagé dans sa quête de progrès pour l'implémentation des ODD et le respect du nouveau programme pour les villes, faisant écho à sa volonté de dessiner des avenirs urbains plus responsables et plus prospères. Mesdames et messieurs, l'importance de la thématique traitée aujourd'hui prend tout son sens à l'ère de la dématérialisation et de l'intelligence artificielle, des révolutions qui redéfinissent les fondements même
de notre interconnexion sociale, culturelle et spatiale. Les smart cities ne sont plus un luxe, mais une nécessité pour garantir un développement territorial ingénieux et durable. L'opportunité de recourir au numérique et à l'intelligence artificielle peut être considérée comme un levier de transformation globale de la société et de l'action publique. Cependant, la durabilité des smart cities doit reposer sur une fondation solide des politiques d'urbanisme responsables et soutenables, des politiques qui embrassent la technologie, l'innovation et une vision éclairée pour promouvoir un développement durable et équitable et répondre aux attentes et besoins de nos citoyens. Mesdames et messieurs, le ministère de l'Aménagement territoire national, l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville a mené sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, le dialogue national sur l'urbanisme et l'habitat ayant pour objectif de co-construire une vision et accélérer la transition vers un modèle innovant pour repenser l'urbanisme et redynamiser l'habitat. Ainsi, plusieurs réformes visant le développement territorial inclusif ont été initiées. Parmi ces réformes, je citerai l'adoption d'un cadre de référence national pour le développement urbain fondé sur les principes suivants: une répartition de l'espace au sol qui favorise la qualité du cadre de vie et une meilleure mixité fonctionnelle, une gestion durable du foncier, un renforcement de l'inclusion et de la mixité sociale au sein de nos villes. Deuxièmement, une nouvelle génération de documents d'urbanisme faisant évoluer les outils de planification urbaine d'une logique de régulation vers une logique d'incitation permettant d'implémenter la Charte nationale de l'investissement et les objectifs de développement durable. Une politique de la ville basée sur une nouvelle génération de projets intégrés, multi-échelles, pour des villes intelligentes et visant équité territoriale et amélioration du cadre de vie. Et cette politique de la ville, ce qui nous a permis d'avoir cette image de nos villes que nous avons maintenant. Vous avez Ben Guerir, vous avez Marrakech à côté, Rabat, Tanger, Houssima, Casablanca. Tous ces efforts ont été financés par le ministère de l'Aménagement du territoire. Un nouveau modèle intégré d'aide directe à l'accès au logement dans le cadre d'une planification intégrée qui vise à assurer une réponse à un enjeu socio-économique majeur en permettant l'accès à un cadre de vie décent. Une nouvelle gouvernance territoriale à travers des agences régionales de l'urbanisme et de l'habitat repositionnées et dématérialisées comme ingrédient incontournable pour des smart cities durables et en tant que modèle unique pouvant être exporté à l'échelle africaine. Mesdames et messieurs, l'Université Mohamed VI Polytechnique, notre hôte aujourd'hui, est un catalyseur du savoir et un lieu de confluence où l'apprentissage et une innovation fusionnent pour forger des partenariats enrichissants et encourager un partage d'expériences sans équivalent. Ainsi, en plaçant aujourd'hui les politiques urbaines au cœur de nos débats, nous pouvons faire émerger des stratégies urbaines pérennes qui jetteront les bases d'une coopération transnationale pour relever les défis environnementaux, économiques et sociaux auxquels nos villes sont confrontées. Je saisis cette opportunité pour appeler à exploiter pleinement le potentiel de cette plateforme de débat pour le partage de modèles pratiques et d'expérimentation de solutions urbaines intelligentes adoptées dans diverses villes africaines afin de faire de cet échange un carrefour où les idées novatrices rencontrent des solutions réalisables, traduisant ainsi la théorie en pratiques urbanistiques transformatrices et d'établir des villes africaines authentiquement résilientes et inclusives. Je vous remercie pour votre engagement et souhaite que cet événement soit une source d'inspiration et de collaboration fructueuse pour tous les acteurs engagés dans la transformation de nos territoires. Et merci. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Dans un premier temps, Monsieur le Secrétaire général a cité la fierté d'avoir et d'être avec vous ici à l'UMCP, qu'il considère comme un catalyseur du savoir, un incubateur d'idées visionnaires grâce à un développement euro-méditerranéen et trans-maghrébin. Pour faire face un petit peu à tous les aléas, Monsieur le Secrétaire général, aujourd'hui, avance
que la Smart City n'est plus un luxe, mais une nécessité, un véritable levier de transformation globale. À partir de là, il s'agit bien sûr de bien penser, pour bien avancer et pour arriver, apprendre, comprendre et entreprendre, et fonder sur des stratégies bien pensées, des orientations définies selon un contexte pluridimensionnel. L'accent qu'il a mis sur urbanisme, habitat, pour co-construire un nouveau modèle et un cadre de référence approprié, une quête au niveau du ministère à vouloir dès lendemain d'ailleurs pour un cadre de vie adapté grâce à une politique de ville sensée, accès au logement et autres, pour implémenter des politiques urbaines au centre des débats deux jours durant pour sortir avec des recommandations opérationnelles. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général, de votre présence effective parmi nous pour cette première édition. Toujours la même dynamique, ladies and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Anissati Sayedati Sayedati, monsieur le gouverneur de la province d'Orhamna, qu'il en soit remercié. Madame la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Monsieur le Secrétaire général, représentant de la Madame la ministre de l'Aménagement territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, Son Excellence l'ambassadeur d'Italie, Son Excellence l'ambassadeur du Portugal, Son Excellence Madame l'ambassadrice du Rwanda, Monsieur le Président de l'Université Mohamed VI Polytechnique, cher ami Selabti, Monsieur le représentant de groupe OCP, Monsieur le représentant de ONU Habitat, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, c'est un grand plaisir pour moi de participer avec vous à ce forum ô combien important. Et je remercie infiniment les organisateurs d'avoir penser à cette thématique fort importante et fort intéressante qui est la gestion urbaine et les smart cities. Laissez-moi, je ne vais pas être long, mais je vais juste articuler et dire deux choses que j'ai apprises à travers la gestion territoriale à Al-Hamna et particulièrement à Ben Gurion. C'est que, premièrement, smart city is not about smart city. Only, it's about smart people. Et cette université, vraiment, on a trouvé un terrain et une plateforme d'intelligence collective pour inventer des solutions, non pas seulement pour la ville, mais pour tous les territoires, que ce soit urbain ou rural, y compris l'agriculture et les défis de changement climatique, les défis de l'eau qui est très présent actuellement, les défis des énergies renouvelables. Et je pense que le territoire d'Orhamna, tout le territoire, est un exemple édifiant d'un territoire intelligent grâce à une dynamique royale, grâce à une vision royale et grâce à un travail acharné et visionnaire du groupe OCP et de l'Université Polytechnique Mohamed VI avec toutes ses filiales. Et donc je tiens à remercier infiniment cet écosystème et Je me sens chanceux et très honoré de participer à ce grand chantier que connaît le Maroc et en particulier la ville de Melgrir. Deuxième chose, c'est que la ville smart, c'est pas la ville technologique, c'est pas la ville très connectée, etc. Comme on peut le penser. Parce que j'ai participé dernièrement au forum AfriCities qui s'est tenu au Kenya. Et on était là-bas pour représenter la ville de Ben Gurion justement, et on a eu l'honneur d'avoir le leading role du réseau africain des Smart Cities. Donc l'Afrique a honoré le Maroc pour lui donner le rôle de leader pour un peu animer. Je crois que ce forum s'inscrit parfaitement dans cette optique, et on est très demandeur des échanges qui auront place et pour instaurer c'est-à-dire pour consacrer la ville de Ben Gurion comme une smart city et comme un leader au niveau africain. Donc à travers SEADA, il était question
surtout de problèmes, d'inventer des problèmes pour la ville et pour le territoire, des problèmes pour l'eau, pour l'assainissement. Mais au centre, c'est l'humain qui est au centre de tout développement, ce n'est pas la technologie. C'est-à-dire qu'on doit inventer des solutions pour une meilleure inclusion de l'humain, une meilleure inclusion du genre, meilleure équité territoriale et spatiale. Et croyez-moi, les enjeux ne sont pas les technologies. Les technologies, ce sont juste des outils. L'enjeu, c'est avoir un territoire où il fait bon de vivre. La Smart City, c'est ça. C'est un territoire où il fait bon de vivre. Où on peut en trouver une ville qui est peu connectée technologiquement, mais très connectée socialement, et où les gens manifestent beaucoup de sympathie entre eux, et où les services sont très faciles et on se sent bien. Pour moi, c'est ça la Smart City, ce n'est pas la Smart City 2.0 qui veut dire qu'on est à la pointe de la technologie, mais c'est à la pointe de l'intelligence humaine, l'intelligence collective, qui fait que chacun puisse vivre dans un bon climat et profiter du voisinage et se sentir en safety, en paix et en sécurité, et avoir tous les besoins qui lui aident. Donc, je saisis cette occasion encore une fois pour remercier les organisateurs. Je ne saurais remercier Serdouane, notre cheville ouvrière qui a milité, je le sais depuis un bon moment avec Monsieur le Président pour organiser cet événement. Je crois qu'il est très content aujourd'hui d'avoir réalisé cet objectif. Et donc, je souhaite plein de succès à ce forum. Je suis content, très content d'avoir tout ce panel de spécialistes, d'étudiants et de politiciens autour de ces questions. Et on sera très attentif aux conclusions, aux recommandations. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le gouverneur, s'il vous plaît. Merci pour votre intervention, monsieur le gouverneur, qui exprime son ressenti en tant que participant à ce forum qui est intéressant à plus d'un titre. Monsieur le gouverneur a mis un focus spécifique sur la gestion territoriale. Et avec le respect que je lui dois, il a dit « Smart city, why not ? Smart people, of course. » Et vous avez mis le point sur l'humain au centre de toutes nos préoccupations. Monsieur le gouverneur a également mis en exergue l'effort fourni par la dynamique royale, par l'OCP et par l'UMCP. Et monsieur le gouverneur a fini par une belle transition que je vais faire également. Et j'appelle à mes côtés, à nos côtés, c'est Hassan Radouane, le directeur de la School of Architecture, véritablement une cheville ouvrière que je vous demande d'applaudir très très fort. Alors, si Redouane, dans un premier temps, il interviendra à la fin de cette cérémonie pour cadrer scientifiquement, parce qu'il a réfléchi, mais il va nous présenter le Centre international des innovations territoriales et performances, SMART, fruit d'un partenariat entre Nations Unies Habitat et l'UMCP, l'Oustad Hassan Redouane. Hello everyone. I will talk in English. Excellency ministers, and especially Professor Hayar, a dear colleague and a militant for smart solutions since our work together in Smart City Casablanca. Mr. the Governor, Sidi Aziz Winan, I'm so proud when I hear our governor talking. It's just amazing. He adopted the whole discourse. And I think with his field experience and his background on the ground, I think it's just given us a plus. Thank you, Si Shamlhabti, our entrepreneur, our dynamic president. Without his support, this forum could not happen, and I mean it. Si Yusuf, you're back home. Si Yusuf, tabarakallah alik, donc an amazing speech on how to frame the smart city within the urban policies of our Ministry of course, Urban Planning, Territorial Planning, etc. So, of course, Sidi Mohammed, why I need to step in, because we will move to another other kind of speeches, but this time with international institutions who has or have endorsed
our methodology. Proud, we need to be all of us proud. UM6P, with its innovative ecosystem, this campus, this ecosystem has transformed us to transform territories. It's so important. Mr. Governor, be sure, since we meet together, the smartness of the city within the context of this forum, it meant to be people-centered. And just for your information, we hacked the concept of smart city that was belonging only to IEEE engineers, working only on fragmented technology solutions, and we're bringing back this concept to the planning perspective from the scale of the building to the neighborhood, to the city, to the region, to the territory. So the smartness is the smartness of the people, but to ignite the contribution of the people, connectedness is only a means, not an end. So now, proud, we need to be proud because thanks to an MOU, a memorandum of understanding that was signed between UN Habitat and UM6P since 2021, thanks to our president, thank you, Rumi, he's among us. And of course, after 4 years of test and learn, experimentation with the governor, though the challenges are very complex, does not mean we've done all, but I think we have the first promises that the smartness of the tools, the smartness of the people, the smartness of the community will lead undoubtedly to a holistic transformative change of Ben Gurion, and hence Ben Gurion with its university, and it reminds me of Al Qarawiyyin. So Morocco is not new in terms of urbanization. We had urban centers since 9th century. For 9-10 centuries, Morocco has been a country of builders, and the Qarawiyyin, without Qarawiyyin, Fez could not be happening. The Medina of Fez could not be resilient and sustainable. We have a wonderful analogy today, thanks to the UM6P, that is generating a new knowledge city, which is Ben Gurion, transforming a region, which is Rahamna, and enabling its people to reach not only the national standard, but the international standard. Monsieur le Gouverneur, we are proud that Ben Gurion now is cited in most international journals. Ben Gurion is showing up in MIT, Harvard. Ben Gurion, of course, and it's just amazing how this project has transformed the territory. So what is the center? International Center of Territorial Innovation and Smart Performance. Sidi Youssef, why? We know that we have urban documents. We know we have PR, we have SDU, we have PDR. We are so proud that Morocco is so equipped with urban documents, with visionary plans for cities and territories and regions. However, there is another layer of smartness needed in order to assess the performance of cities and territories, and not just to wait medium-term, long-term strategies to be implemented, and at the end they are not implemented because we don't assess the performance of cities and territories, and hence indicators are so needed for cities and territories to reach sustainability and to reach resilience. So, just to let you know, after discussion with UN Habitat experts in Nairobi, Rumi is here to witness because I'll pass the floor to you. We said, do you want us to make this center only for Africa? Thank you, Rumi. Thank you, Raftuts. Thank you, Edlam. Two top senior managers of UN Habitat said, Hassan, don't be humble. Make it international. There is no center in UN system that works on establishing indicators of assessing sustainability and resilience in regions and territories. So this is not Hassan saying it, but Rumi will witness that. And we have two interventions, bright interventions, very inspiring. First, I will ask the technical support. I will introduce Raftuts. Raftuts actually is a higher senior that I've known for 10 years, a bright planner who is actually so into sustainable urbanization. So Raftuts is the director of the Global Solutions Division in UN Habitat. You know how the UN system is working.
is not working on local solutions, but is looking in transposing ingenious local solutions to expose the global dimension. So in Ben-Gurion, we say it and we should be proud, we are devising a new ecosystem around the university to transform a territory, and this is an amazing level lab that is uploaded by UN Habitat, and around that we set up this international center. So Raf Toots, the director of Global Solutions Division of UN Habitat, based in Nairobi, he is overseeing the development of UN Habitat's normative guidelines through global initiatives covering various dimensions of sustainable urbanization. He's also officer in charge of the Office of the Deputy Executive Director. Since joining UN Habitat in 1995, he held the following positions: manager of the Localizing Agenda, 21 Agenda Program, chief of the Training and Capacity Building Branch, manager of the Cities and Climate Change Initiatives, and Rumi, when he was in the building capacity and training for management of cities, where I knew Raf Toots when I was an expert among 12 experts, where we devised the international guidelines for urban and territorial planning. I was the only Moroccan and African that actually were behind the international guidelines of urban and territorial planning. And thanks to that document, that SDG 11 among the SDG, the 17th SDGs, and it was a big battle to include cities, inclusive human settlements within the 17th SDGs, because other sectors, they did not want urbanization to be included, because the sectors, they are clear: health, education, environment, ecology. But we fought for it through this document, and they included SDG 11, specialized in cities, urbanization, and territories. So please, Raf Toots, I invite you to applaud him. So let's start by Raf Toots. And we have another senior high segment manager, Ed. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon to you all. Bonjour à toutes et à tous. I am honored to join you in witnessing the flag off of the International Center for Territorial Innovation and Smart Performance during the Africa Smart Cities Forum. This center is an important legacy of the long-standing collaboration between UN Habitat and the University Mohamed VI Polytechnic in Ben Gerir, Morocco. The brand new center constitutes a significant milestone in the journey towards resilient, innovative, and sustainable urban-rural transformation. I applaud the incubators of the center for their visionary initiative. To take us this far, I acknowledge and appreciate the coordination and leadership of the Center School of Architecture, Planning and Design, as well as the Policy, Legislation and Governance section of UN Habitat, and a consortium of dedicated international experts and partners. Ladies and gentlemen, the creation of this center is timely. In recent decades, we have witnessed an unprecedented wave of urbanization and territorial development, particularly in regions such as Asia, Africa, and South America. The United Nations projects that 68% of the world's population will be concentrated in cities by 2050, with Africa experiencing a tripling of its urban population. These trends will have profound implications, presenting both challenges and opportunities for sustainable territorial development. The Center for Territorial Innovation and Smart Performance will be a unique vehicle to develop and propose cutting-edge solutions for enhanced shared prosperity across territories head-on. Specifically, the center is poised to leverage multidisciplinary research, policy analysis, advocacy, and capacity development to enhance territorial innovation for better urban performance. The center could therefore position itself as the go-to place for solutions that inform policy and practice on matters territorial development. Ladies and gentlemen, UN Habitat stands ready to work with the center to achieve its vision to be people-focused and place-relevant for smart and innovative performance. UN Habitat aligns itself with the center's core value of professionalism, innovation, excellence, knowledge sharing, entrepreneurship, and partnership. We commend the center's strategies and planned interventions,
UN Habitat will be keen to see how the center could be used as one of the key platforms and think tanks to localize or territorialize the new urban agenda, the sustainable development goals, and other regional and global agreements. To support this process, UN Habitat offers a range of resources, including tools, guidelines, and expertise that the center could tap into to deliver on its mission. Ladies and gentlemen, as we embark on this journey, along with Mohamed VI Polytechnic University and its School of Architecture, Planning and Design, we recognize the immense potential of the center to transform urbanization and territorial development into catalyst for a more impactful, sustainable development. I urge the center to work collaboratively with all stakeholders to explore urban, rural, and territorial opportunities through smart indicators, inclusive mechanisms, integrated approaches, and results-based solutions. In conclusion, I urge all of us to use the center to harness the power of innovation and smart performance to create inclusive resilience and sustainable urban and rural territories. I wish you all success in this important endeavor. Thank you. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Raf Toots, directeur de la Global Solution Division ONU Habitat. C'est une vidéo préenregistrée. Nous allons avoir deux autres. Et je vais donc tout de suite donner la parole en vidéo préenregistrée à la Chief of Knowledge and Innovation Nations Unies, responsable de l'analyse de la politique globale et des analyses de data et prospection pour véritablement proposer des solutions d'urbanisation durable, en charge également d'avancer les solutions autour de la ville smart et leur upscaling pour un impact global. En vidéo enregistrée, Madame Edlam Abera Yemiru. Greetings from the United Nations Human Settlements Programme. I am pleased to have an opportunity to address you as you take part in the Africa Smart City Forum. The focus of the forum is indeed timely, given that we live in an urban digital era. There is no doubt that humanity's present and future is shaped profoundly by both transitions, urban and digital. These twin shifts do not only coexist, but they are also very closely interrelated. Digital technology offers vast opportunities to improve the quality of life across cities. At the same time, cities are hubs for innovation and demand that drives digitalization. In this context, there is great interest and considerable efforts to promote smart city development. Yet, there are associated harmful impacts and many might be left behind. Smart city development offers enormous benefits for improving the quality of life of citizens, but only if it is designed with people at the center. The benefits of smart city development need to be equitably shared. A city that is smart puts citizens first to use technology safely and create a better life for all. This is why at UN Habitat, we are promoting people-centered smart cities, where the priority is to use technology to meet the needs of citizens first. Recognizing how critical this is, 193 countries asked UN Habitat to develop international guidelines on people-centered smart cities last year in June 2023. The guidelines, which will be completed in 2025, will serve as a global benchmark to inform national and local smart city regulations, plans, and strategies. The objective is to support smart city development that is sustainable, inclusive, prosperous, and respectful of human rights. In the wider UN system also, considerable efforts are underway to ensure an open, secure, and inclusive digital future. For example, the United Nations General Assembly recently adopted a landmark resolution to promote safe, secure, and trustworthy artificial intelligence systems. Importantly,
the Pact for the Future, which is expected to emerge from the United Nations Summit of the Future in September of 2024, will have an annex called a Global Digital Compact. Also, a Global Alliance of Mayors is being initiated by UN Habitat and the Office of the UN Secretary General's Envoy and Technology to advance digital cooperation between mayors worldwide and promote people-centered smart cities. In this dynamic context of global cooperation, I trust that the outcomes of the Africa Smart City Forum will help to identify priority actions to accelerate smart city development in Africa that is people-centered. I wish you all the best during the upcoming days of the forum. Merci beaucoup pour Madame Edla Mabera-Yemiru d'avoir véritablement été partie prenante de notre prestigieux événement. Troisième et dernière vidéo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est une personne qui travaille sur l'exploitation du patrimoine culturel et urbain pour booster la résilience et la durabilité urbaine dans les villes à échelle mondiale. Elle est en charge également de l'Urban Heritage Global Atlas. Elle est directeur adjoint du Centre du patrimoine secteur de la culture à l'UNESCO. Elle nous fait le plaisir, l'honneur et le privilège d'être avec nous en vidéo enregistrée, Madame Jyoti Oza Grahar. Merci. Respected ministers, dear ambassadors, your excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues. It is my great pleasure to welcome you today to this important meeting on smart cities in Africa. Over the last few decades, the pace of urbanization has put tremendous pressure on cities and settlements worldwide. Rapid and uncontrolled urbanization has resulted in more megacities, making the development of inclusive, sustainable, resilient, and safe cities increasingly challenging to achieve. Urban heritage makes a vital contribution to sustainable urban development. SDG 11 recognizes the safeguarding of heritage as key to making cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable, given that 68% of the world's population is projected to live in urban areas by 2050. Urban heritage conservation and design will be essential to tackling global challenges, including climate change, as well as improving the well-being of urban residents. Smart cities are not only cities with internet technology or new cities, but those that we have inherited, that are repositories of knowledge accumulated over generations, sometimes over hundreds of years, and those that respond to the environmental pressures, the changes, the ecology of that they are located in, that are inclusive and diverse, and that respect the multiple ways and identities and ways of building and the ways that give meaning to people's lives. In 2011, the member states of UNESCO adopted the recommendation on the historic urban landscape, which aims to support countries and cities in the integration of the conservation and management of urban heritage in urban development strategies. Of course, you're familiar with the World Heritage Convention, the 1972 Convention for the Protection of Natural and Cultural Heritage. The World Heritage Cities Program provides tools and capacity building support to countries and cities, including in policy design. Urban heritage and design is not only about preserving the past, but also about constructing a better future that includes the protection and conservation of heritage.
Urban heritage was highlighted in the Mondial Court 2022 Declaration, which acknowledged the broad spectrum of UNESCO's standard-setting architecture of declarations, recommendations, and international conventions over the past decades, which have progressively broadened the scope of culture and provided a comprehensive framework for the protection, safeguarding, and promotion of culture in all its dimensions, and includes the HUL recommendation. The declaration also calls for stronger efforts to leverage digital technologies to enhance the safeguarding, promotion, digitization, and inventory of cultural heritage. This was also echoed last year in Naples, where the Director General of UNESCO launched the Spirit of Naples Call for Action, which called for holistic approaches to safeguarding tangible, intangible, and natural heritage by reinforcing the relationship between heritage and local communities, while also leveraging the connection between nature and culture. In response to these calls for action, I also want to bring to your attention the launch of the UNESCO Urban Heritage Atlas, which is a new tool meant to leverage the power of digital technology to document and map urban heritage using geospatial data. It is a platform to gather and organize cultural information about the character of the built tangible heritage, as well as intangible elements and natural features essential to each city and settlement. It is an archive of urban heritage data and a tool for improving the conservation and management of urban heritage. UNESCO is deeply committed to promoting high-quality built environments that are people-centered, where creativity and innovation thrive, and where cultural heritage is protected and respected. And this is the reason that the Davos Declaration for High Quality of Culture, adopted at the Davos Conference in 2023, is also supported by UNESCO. So with this, we are currently exploring possibilities for implementing in historic urban areas that will enable the strengthening of heritage and the integration of it into urban development plans and processes. I'm very certain that this conference will be an important step, and we look forward to learning more about its outcomes. And meanwhile, I wish you all very pleasant and very useful deliberations. Thank you very much. Nos sincères remerciements à Madame Giotti Ozagrar de sa participation pour cette première édition. Nous revenons au présentiel et nous avons le bonheur et la chance d'avoir avec nous le spécialiste du développement durable des villes africaines. Il est le chef de la section politique, législation et gouvernance Nations Unies Habitat à Nairobi, au Kenya. J'appelle sous vos applaudissements Monsieur Rémi Siet-Chipping. Bon après-midi, Excellencies, Mr. President of UM6P, the Governor, Excellency, Ambassadors, colleagues, dear friends. I'm very, very much moved today because we are here on a journey and a strong achievement because I have a strong admiration for what the government of Morocco have been doing in advancing this particular agenda. More so, my engagement with UM6P had convinced me that UN Habitat had not made a mistake in signing the agreement and in collaborating in putting in place really I would say one of the first
or one of the kinds, means a vehicle of engagement. Our long-standing engagement with the government of Morocco, with UM6P, had given me the trust and the confidence that the center that we are launching today, which is the legacy of our engagement, can be summarized in 6 points. The first one is that it's a tangible, realistic means of engaging as a vehicle to deliver on important agenda. We have heard earlier the Sustainable Development Goal, the New Urban Agenda, the African Union 2060, and many other agenda that are before us. The second reason that I feel very confident on the vehicle that we are placing before you today is that this is a unique instrument where you can clearly demonstrate the nexus between science, policy, and practice. I had not seen such platform, I had not seen that instrument before, and I discussed at length with Professor Radwan and his team, and we felt that this is a niche for those who will come closer to understand and to engage with the center that we are launching through this event. They will appreciate that this innovation comes very closely to what UM6P is known for, because innovation and be at the forefront of new things is what I had observed coming out from UM6P. The third one, Professor Radwan had mentioned, and all my senior colleagues had emphasized when we explained the concept, the design of this center, that given its nature, it can only be international. So again, it put the UM6P Morocco at a different scale of engagement. The ambition is high. Your level of appetite is up to you. Either you're going to take it high or keep it modest. But from UN Habitat, we see this as really the place where we should go. The fourth element that makes this center so unique are things that you are not going to see anywhere. The territorial dimension, I think Professor Radwan made an anecdote. In the case of Morocco, we have good instruments on planning, on city, on rural, but very few on territorial dimension. So the territorial dimension that takes into consideration the space is one of the things that the center is doing. The other things that the center, we have discussed and we have tried that and tested that in some of the training, learning programs you have here, is putting culture, heritage at the heart of any action in this center. So this will be based on realities. This will be a center where new paradigms will be tested. It's more about, and I think the governor put it right, I suspect that you have read the policy document of the center, because the way Professor Radwan had conceived the center is that it should be more about people, more about human than technology. This, to summarize on this point, is that this is a unique center that will challenge the smart city approach that is technology driven. This will be the only center that could demonstrate that there is a better, sustainable, more resilient type of approach when it comes to smart, when you focus and invest in people and human to drive change. Now, the fifth one, which I feel, again, confident and have the full trust in the center, is that this will be the locus, this will be the cradle of innovation. Through what I have seen, because it's the fusion of science of, and different disciplines. I have seen, and this is something that this particular university, which is really a jewel for Africa, and I invite the world to also witness, is that we were discussing how the center and through this forum will be seen as a
a place to invite all types of disciplines to find place at the center, and that the future forum will be the place to showcase what had been able to do to be done through human-centric approach. So you can use through interdisciplinary, transdisciplinary, pluridisciplinary, but the center is more inclusive in terms of disciplines, in terms of sciences, and therefore will be at the forefront of discovery, laboratory, inclusive, and integrative science. The last point, which I have sensed, but I don't know is the ambition of the president of the university, that each time I come here, I see university, I see students who are forward looking, who are at the cutting edge of knowledge, of instruments, of challenge ideas, who are really at the avant-garde of knowledge of, on science, on politics, and actions to, with the sole and unique aim of making a difference in the lives of everybody. So with these 6 points, I believe that for me, as we use this forum to present the center to you and to discuss in the coming days, I applaud the university, I applaud the governor, I applaud the government of Morocco for accepting that United Nations could come and find room in this place. So I thank you. Thank you. Thank you, sir. Merci beaucoup, Monsieur Rémi Siet-Chiping, en tant que spécialiste des villes africaines en matière de développement durable. Il a affirmé, confirmé et maintenu l'engagement réel et réaliste qui s'est avéré véritablement important. Et vous avez basé ça sur 6 points très rapidement. Éléments tangibles réalistes, instruments uniques et exclusifs avec un subtil dosage entre la politique, la science et l'attractivité. Mettre en exerce un modèle de design spécifique avec une dimension territoriale en tenant compte de l'espace, un patrimoine culturel au centre des préoccupations avec une approche durable et une résilience humaine, cinquièmement, innovation, fusion, science et discipline, mais également plus d'assistance en utilisant des instruments de dernier cri réalisés pour concrétiser les différences et pour une meilleure vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous abordons la dernière ligne droite, ô combien importante, en la présence du président du Conseil national de l'Ordre des architectes, Oustad Shakib Ben Abdallah, liyatafaddal, en le remerciant d'avoir été partie prenante de ce forum. Messieurs, bonsoir. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la politique de la ville, de l'Habitat, et monsieur le gouverneur de la province de Benguerid, Hamna, pardon, messieurs les gouverneurs, messieurs les ambassadeurs, pardon, Messieurs, Mesdames, les ambassadeurs, Excellences, honorable assistance. C'est toujours difficile d'intervenir en dernier parce qu'on a l'impression qu'on va répéter la même chose que ce qu'on a déjà entendu. Mais le message est suffisamment important pour que mon intervention soit écoutée avec attention. C'est avec une grande fierté aujourd'hui et profonde gratitude que je me joins à vous pour vous adresser ces quelques mots à l'occasion de cette première édition de l'Africa Smart City Forum. Ma fierté encore plus grande parce que, du fait que le principal organisateur est un confrère architecte, un collègue, un militant de longue date, et je le remercie pour l'organisation de cet événement. Cet événement majeur voit le jour sous les auspices d'une ville tout aussi smart dans son ambition que dans les moyens qu'elle s'est donnés pour devenir un étendard de la vie smart, mû par le savoir et l'intelligence de ses forces vives. En tant que président de l'Ordre national des architectes du Maroc, je suis honoré de contribuer à cette réflexion cruciale sur l'avenir de nos villes africaines.
la ville de Ben Gurion, réceptacle de l'université Mohamed VI Polytechnique, a entamé son développement depuis quelques années par le projet de la ville verte et l'écosystème de l'EM6P. Ce sont de telles prouesses urbaines et territoriales qui doivent nous inspirer dans notre mission à mettre nos confrères architectes au diapason de la nouvelle donne territoriale au Maroc et à sublimer le rôle de l'architecte dans cette noble mission d'accompagner la marche du progrès du royaume. En effet, l'architecte occupe une place centrale dans le contexte des villes intelligentes en tant que créateur d'espaces intelligents pour un développement territorial durable. Il en est l'acteur incontournable. Les villes africaines aujourd'hui sont confrontées à de nombreux défis. L'urgence climatique, la nécessité d'optimiser les ressources, la croissance démographique galopante. Face à ces enjeux, les architectes ont la responsabilité de concevoir des bâtiments et des espaces urbains qui soient éco-énergétiques, respectueux de l'environnement et qui s'intègrent harmonieusement dans leur contexte naturel. Les villes intelligentes ne se résument pas à des prouesses technologiques. Elles doivent avant tout répondre aux besoins et aspirations des populations. C'est pourquoi nous devons travailler en étroite collaboration avec les urbanistes, les planificateurs et les autres acteurs concernés pour élaborer des plans d'urbanisme durable, résilients et inclusifs. Le Maroc, de par la diversité de ses affluents historiques, techniques et socioculturels qui ont façonné les paysages urbains et ruraux et qui ont facilité le développement économique du pays, présente un gisement inestimable de savoir et de sagesse qui gagnerait à être mis en lumière pour triompher des défis de l'avenir. En effet, sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc a entrepris diverses réformes et stratégies nationales visant à propulser la roue du développement tout en réduisant les inégalités pour plus d'inclusion sociale et d'équilibre territorial. Ainsi, les multiples itérations des politiques de l'aménagement du territoire en passant par la régionalisation avancée, la décentralisation et la déconcentration jusqu'au nouveau modèle de développement imposent une remise en question permanente des pratiques d'aménagement territorial. Le NMD implique aussi et nécessairement une gouvernance intelligente des villes. Les architectes, par leur expertise et leur vision globale, peuvent contribuer à l'élaboration de systèmes de gestion urbaine intelligents qui permettent de collecter et d'analyser les données et d'aider les décideurs à mener des actions éclairées et d'optimiser les ressources. Au-delà de la performance urbaine et de la gestion intelligente, nous devons également nous soucier de la dimension humaine des villes intelligentes. Nous devons concevoir des espaces de vie inclusifs, sûrs et confortables pour tous, en respectant le patrimoine urbain, les valeurs socioculturelles et le bien-être des populations. Les villes intelligentes ne sont pas uniquement des espaces technologiques avancés. Elles doivent également être des lieux de vie harmonieux et conviviaux où les habitants se sentent bien et où ils peuvent s'épanouir. C'est pourquoi nous devons prendre en compte les besoins et les aspirations des populations dans leur travail en concevant des espaces publics accueillants, des quartiers sûrs et des logements confortables. De plus, les villes intelligentes doivent être des lieux de diversité et d'inclusion. Elles doivent accueillir des populations aux origines et aux cultures différentes et offrir à tous les mêmes opportunités. C'est pourquoi nous devons participer à concevoir des espaces publics accessibles à tous et des quartiers qui favorisent le vivre ensemble et la mixité sociale. Enfin, les villes intelligentes doivent être des lieux de développement durable. Elles doivent être conçues pour minimiser leur impact sur l'environnement et pour préserver les ressources naturelles, en privilégiant entre autres, et particulièrement dans nos villes africaines, l'utilisation des matériaux durables et des technologies respectueuses de l'environnement. Les écoles d'architecture doivent, plus que jamais aujourd'hui, doter les architectes de nouveaux outils et de nouvelles compétences pour la transition verte et numérique des territoires. Dans ce contexte, la School Architecture of Architecture Planning and Design de l'UM6P se profile comme une école pionnière qui s'est appropriée cette nouvelle donne territoriale et s'est donnée comme mission de transformer les architectes bâtisseurs de leur territoire, mais aussi de transformer son territoire elle-même, c'est-à-dire la ville de Ben Gurion, berceau de l'université Mohamed VI Polytechnique, qui, grâce à ses infrastructures de recherche de pointe, ses incubateurs et ses living labs, développe tout un écosystème propice au développement territorial durable. Cet événement
un débat crucial sur la conception des villes intelligentes dans le contexte africain et montre la voie pour le futur des smart cities africaines en tant que vecteur du développement culturel et territorial durable. Et nous, architectes, avons un rôle crucial à jouer dans la promotion et le développement des villes intelligentes en Afrique. Je tiens aussi à saluer cette initiative qui incarne parfaitement l'esprit d'innovation et d'émulation nécessaire à la progression de nos sociétés. J'espère que les discussions, les échanges et le partage des expériences qui auront lieu enrichiront notre compréhension des enjeux et des soubassements de la Smart City en Afrique et constitueront un tremplin pour l'action en faveur d'un avenir urbain plus résilient et durable. Pour conclure, je tiens à remercier tous les organisateurs intervenants et participants pour leur présence, leur dévouement. Je souhaite à chacun une expérience riche et enseignante en enseignement, débat et découverte. Ensemble, bâtissons des villes intelligentes qui seront des modèles de développement durable et de prospérité pour l'Afrique. Merci pour votre attention et bonne conférence à tout le monde. Monsieur le Président. Monsieur le Président du Conseil national de l'Ordre des architectes, soyez rassurés, nous vous avons écouté avec beaucoup d'attention parce que vous avez, comme à l'accoutumée, apporté votre sens du développement en mettant en exergue véritablement le rôle imminent des architectes pour apporter une valeur ajoutée certaine, tout en respectant les normes mais aussi pour répondre aux aspirations de la population. Vous avez également mis en exergue les réformes nationales qui ont été lancées grâce à la clairvoyance de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et enfin, vous avez fait une lecture 360 degrés pour apporter des orientations stratégiques et des recommandations opérationnelles qui serviront, je n'en doute pas, aux recommandations finales. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour clore cette cérémonie d'ouverture, je donne la parole au directeur de la School of Architecture, Planning and Design à l'UMCP, mais également Africa Smart City Forum Bengrir Executive Chair, Al-Oustad Hassan Redouane, pour nous cadrer les éléments qui vont faire l'objet des deux jours à venir. C'est Hassan Redouane, mérite, je pense, un tollé, faites du bruit. D'accord. Merci, Hassan. Merci beaucoup. I know that you're very tired. And I will just give you some takeaways, all right? Donc, une synthèse pour aussi le monsieur le gouverneur, pour l'assurer qu'on est human-centered smart city, no techno-centered smart city. And by the way, we had a paper, a scientific paper published in an index journal, and it was uploaded internationally. They contextualized Africa smart city, human-centered, not techno-centered. Très bien. Donc je vais lire. I'm delighted and honored to receive you all today for this strategic event at UM6P, the strategic event from UM6P. This is a highly innovative forum that stems out from years of research action and fostering innovation for a better urban territorial performance. To transform the rapid urbanization in Africa to be more sustainable amidst its daunting current challenges, such as rapid urban growth, population density, social inequity, climate change, land and resource scarcity, urban mushrooming, uncontrolled metropolization, underperforming infrastructure, and so forth. It is imperative then to seize the disruptive solutions for a more contextualized smart city to find adequate resolutions for such complex challenges. At University Mohammed VI, or Sixth Polytechnic, we realized that the conventional practices of modern urban planning and the new trend of techno-centric smart cities are not fully sufficient to meet the complex urban and territorial challenges of our continent. Hence, the concept of the smart city is yet to be fully explored in order to orient its smart tools, resolutions to serve more African communities and cities to be more inclusive, livable, resilient, and sustainable.
Africa Smart City Forum advocates more for the human-centric human solutions and the advancements of technology. They are but means and not an end. Accordingly, technology advancement are not to be parachuted on the global south, but needs to be re-engineered with an embedded cultural contextual genius. Our commitment at UM6P is to integrate resilience and sustainability into the core of architectural and urban fabrics through innovation that needs to be embraced by educational curricula and field practices. Therefore, these dear guest researchers, students, esteemed honorable speakers, I think that we should, and we emphasize that in order that the smart city solutions to reach their full momentum, they ought to be multi-scale, multidisciplinary, multi-sectorial, and multi-stakeholders. And Ben-Gurion is a wonderful showcase for such dimensions. From the micro scale of sustainable buildings to the macro scale of sustainable human establishments and territories, the Africa Smart City methodology is to advance African genius logic to foster the well-being of African communities, be it in the urban or in the rural territories. Drawing from lessons from UM6P involvement in the Smart City Casablanca Symposium, for the last 5 years, we came to realize that the Smart City concept needs to be explored at the continental level in Africa through a new forum or in an innovative ecosystem of UM6P. And this university, with its emerging city, to become a hub for test and learn and smart urban solutions for Africa. What makes UM6P an ideal place? And this is why UN Habitat and UNESCO, of course, they've been convinced that UM6P, with its very innovative ecosystem, is an ideal place to host such a forum. It is indeed an ecosystem with its living labs that epitomizes this vision, where urban resilience, human-centered solutions, and participatory design are demonstrated and implemented on the ground. Our innovative drive at UM6P towards a more sustainable and resilient built environment in Africa has been indeed the battleground of research action at the School of Architecture, Planning and Design, which vision is multi-scale, ranging from the building design, city planning, to territorial perspective. Sir Yusuf will agree with me, at the level of the buildings, we have conception design. At the level of the city, we have la planification, planning. At the level of the territory, we have prospection and prospective. So these three dimensions of creative engine of design, planning, and prospective, what makes actually city planning at the center, not technology gadgets at the center. So this actually UM6P multidisciplinary ecosystem would actually be a hub to orchestrate different innovative solutions and converge them to reach the holistic urban and territorial performance. And this is why, thanks to UN Habitat, we have now an international center for territorial performance, territorial innovation and performance. I would just clarify some conventional terms that have been consumed. Lorsqu'on parle de développement territorial, c'est consommé. Le mot développement est consommé. Pour mesurer le développement, on a besoin de l'innovation. C'est pour cela, pour quelques-uns, lorsqu'ils entendent innovation territoriale, ils sont choqués. Ils vont dire que ce terme n'existe pas. Je vous dis oui pour le développement, mais on a des indicateurs à travers les innovations pour mesurer la performance du développement. Ce qui s'est passé à l'Hawz, c'est un cas concret qu'on n'avait pas les moyens et les indicateurs pour évaluer la performance de tout un territoire abandonné. Donc, dans ce sens, je pense qu'on a un paradigm shift, moving from city exploitation to city exploration. And thanks to a training to Harvard, I learned such a thing. I think we should stop just exploiting the city for housing, for being a dormitory, for being just a ground to sleep. We need to explore the city to be an institution for creating richness, for creating jobs, for creating innovation.
we should move to the next leap for the cities, not to be just for exploitation, but to be for also exploration. Such a shift of in design and planning practices is embodied by UM6P research labs, different labs, and this is why, please, this endeavor cannot happen only with one school, because at UM6P, we are anti-silo. We are not working unilaterally, but all departments, as you've seen in the village, actually, that we, or the expo, all the departments of UM6P, they contributed with different vision solutions regarding how to resolve the issues of the smart city. Dear distinguished guests, Africa Smart City Forum means to co-construct together a highly innovative platform. So it's not only a conference and we run away. So fasten your belt. Africa Smart City Forum is a digital platform where different training sessions, etc., seminars, roundtables, and of course, collecting all the intelligences of African cities through this platform of Africa Smart City Forum in order to reach a holistic vision for the African city. I would like to thank you all, members of the organization committee, our students, our president mentioned it before me. Thank you. I think you've been fantastic. For the last week, I've been following how you were working at 3 a.m. in the morning, 4 a.m. is such a wonderful thing because you are the future. We are here to set an incubator for you. You are actually the actors of change, and this is why UM6P University is a brilliant creative incubator for you. Through leadership, entrepreneurship, and innovation, you'll be able to be the future architects, planners that would shape our built environment to be more inclusive, resilient, and sustainable. Thank you, all speakers coming from international countries, and I wish you the best with all the sessions. Thank you. Merci beaucoup. C'est Hassan. Des mois de travail, les derniers jours ont été véritablement très hard pour le comité d'organisation, pour donner véritablement les lettres de noblesse à cette cérémonie d'ouverture riche en couleurs et fort instructive. Une cérémonie d'ouverture solennelle, rehaussée par la présence effective de personnalités, de personnes intéressées et intéressantes, de grand renom. Une salle comble et à l'écoute qui est restée deux heures durant. Un forum qui commence sur les chapeaux de roue et qui permet véritablement une promesse les deux jours qui viennent, tant dans le fond que dans la forme. Demain, honorable assistance, deux plénières et six workshops sont programmés. On parlera planification urbaine et gouvernance territoriale résiliente et durable, mais également, et pour faire plaisir également à un certain nombre de personnes, dont monsieur le gouverneur, la résilience humaine dans la ville smart. Comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 70 intervenants seront là pour vous expliciter la dimension pluridimensionnelle de notre thématique. Merci à vous tous de nous honorer. Merci aux femmes et aux hommes de l'ombre qui veillent au grain pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Quant à moi, maître de cérémonie de cette première édition, je vous dis bonne soirée. À demain, 9h15, tapante, ici, dans ce bel auditorium. على هذا أودعكم وعلى أمل لقاء بكم أتمنى وأرجو لكم أسعد وأطيب الأوقات. On va faire une photo pour marquer l'événement, s'il vous plaît. Pour qu'on puisse véritablement...